Salut à tous! Dans une nouvelle vidéo pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des jantes. Alors, ça, c'est la jante avant. Ah oui, elle est à l'avant. Mais ça, c'est la jante telle qu'elle est sur Tracassou. Voilà. Donc, il faut tout décaper. Donc, je vais vous montrer ça dans la vidéo. Et puis pendant qu'on y est, ben comme j'ai reçu des plaques de contreplaqué, eh ben je vous ai rajouté dans la vidéo le plaquage des cloisons. Voilà. Mais là, il y a du boulot. Bon allez, à tout de suite dans la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc on a complètement détruit une cellule de camping-car pour la reconstruire et donc on a créé une chaîne YouTube pour partager avec vous cette reconstruction sur la façon de refaire un camping-car et l'aménagement du camping-car. Alors sur ce camping-car, on a complètement refait l'aménagement à l'intérieur par rapport aux meubles, par rapport à la disposition, pour qu'ils correspondent réellement à ce que on avait besoin et à notre image. Donc ce camping-car, c'est le troisième camping-car qu'on rénove, mais c'est grâce aux deux premiers qu'on a décidé de partager donc ces vidéos avec vous pour vous montrer un petit peu l'avancement des travaux et la réalisation d'une cellule de camping-car de A à Z. Bon voilà, c'est notre gueule quand même. Hein. Après une journée de ponçage par jante, hein. Voilà. On arrive quand même à les ravoir à peu près. Mais non, c'est une grosse galère. Et voilà, on est arrivé au contreplaqué. Bon, et ben aujourd'hui, on va attaquer ça parce que du contreplaqué est arrivé et ça, c'est cool. On va pouvoir avancer un petit peu l'intérieur du camping-car. Puis surtout finir mon toit. Parce que il y a un moment que ça me dérange hein, de pouvoir le finir. Voilà. Bon, je vous laisse regarder la vidéo. What's the price? Neon light will be glowing every night. In the city, always the same. Giving up, playing dead. At least that's what you said. Camera lights, that's the game.
touch, that's a start. Got the motion, got the heart. But this city stays the same. Giving up, playing dead. At least that's what you said. Never relax, that is the game. But here we can do anything. I feel something is really changing. A qui est fait déjà. Ça avance un peu.
Donc, j'ai monté donc tout mon contreplaqué, enfin tout non, mais une bonne partie du contreplaqué déjà. Au niveau de la cloison, de la cuisine, du salon, et puis la salle de bain. Et aussi, contreplaqué. Voilà, donc j'ai arrondi l'angle à ce niveau-là. Parce que dans un camping-car, il faut pas d'arrêt de vive. Donc, j'ai arrondi tout l'angle de la cloison de la salle de bain. Voilà, voilà où on en est aujourd'hui. A million people in the crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. Le fait de refaire une cellule de camping-car, c'est un vrai challenge de chaque instant, parce qu'on est obligé de se remettre tout le temps en question sur comment réadapter, comment reconstruire tout en modifiant pour arriver au design et à l'aménagement à la fin de la cellule. En prochaine vidéo, on va continuer donc les travaux intérieurs. Je vais essayer de finir la capucine. Bon allez, salut à tous. Laissez-nous en commentaire des suggestions, des informations pour augmenter la qualité de nos vidéos, on adore ça. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant. On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager nos vidéos. Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.